Les objectifs des deux techniciens, celui de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale et du Simba Club de la Tanzanie, sont clairs. Jouer chacun leur va-tout pour sortir victorieux dans cette rencontre, comptant pour la deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'USGN, déterminé et très confiant, semble être prêt pour faire face à cette équipe du Simba Club qui a réussi une belle entrée en matière lors de la première journée de cette compétition. Zakariaou Ibrahim en est conscient. Nous sommes très motivés, comme je l'ai dit, et nous avons envie d'aller vraiment très loin de cette profession. Son adversaire tanzanien, lui, essaiera de jouer la méfiance et surtout s'appliquer dans les derniers gestes. L'Union sportive de la Gendarmerie nationale, pour la première fois de son histoire, se félicite d'être à ce niveau de la compétition. C'est bien possible, il suffit d'y croire et aller plus loin, une ambition partagée par l'ensemble des responsables de cette structure.